On commence donc par chercher deux adjectifs qualificatifs épithètes dans le texte. Mais avant de trouver les adjectifs qualificatifs épithètes, qu'est-ce que c'est qu'un adjectif qualificatif épithète? Ou quelle est la différence entre un adjectif qualificatif épithète et un adjectif qualificatif attribut? Il n'y a pas le verbe être entre l'adjectif et le nom. Très bien. Il est un adjectif qualificatif directement lié au nom. L'adjectif et le nom sont directement liés. Quand est-ce qu'un adjectif qualificatif est attribut? Allez, Badara. Il y a le verbe être entre le nom et l'adjectif. Bien. Dans le texte. Sortez-moi deux adjectifs qualificatifs épithètes. Fallou. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Où est ici l'adjectif? Ils sont. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Très gentil. Voilà. Donc très. Très gentil. C'est un adjectif attribut ou un adjectif épithète? Attribut. Pourquoi c'est un adjectif qualificatif attribut? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de verbe être. Qui peut corriger? Il y a le verbe être. C'est quel adjectif? Attribut. Attribut. Il. Alors, que désigne-il? Que désigne-il? John? Les amis. Il remplace qui? Les amis. Les amis de qui? De la belle Salimata. Les amis de qui? De la belle Salimata. Bien. L'adjectif qualificatif épithète est un adjectif qui est directement lié au nom. Alors que l'adjectif qualificatif attribut est lié au nom ou au pronom personnel par un verbe d'état. D'accord? Bien.